Bonjour, aujourd'hui présentation de la scie sauteuse 12 volts Bosch Pro. Référence GST 12 volts 70, compatible avec les batteries petit format 1,5, 2 et 3 ampères ou 4 et 6 ampères pour une plus grosse autonomie. Comme les autres outils Bosch Pro, témoin de charge. Et lumière pour avoir une meilleure vision des coupes. Le système de fixation de lames est classique. Ce sont les lames avec les queues en T. Donc comme toute scie sauteuse, vous avez toute la gamme Bosch. Donc on clipse en poussant. Ça se verrouille. Pour la ressortir, on fait un quart de tour et elle ressort. Y a on peut régler le pendulaire, donc si on veut une avance rapide ou pas, et si on veut une coupe plus ou moins propre. Ça définit le mouvement de la scie. Sur 0, elle va monter, descendre droite, et si on met sur 3, elle va partir un peu dans ce sens et elle va manger comme ça. Donc ça fait des coupes plus rapides mais moins précises. La scie sauteuse est livrée avec un raccord d'aspiration qui se glisse dessous comme ça. Il y a une clé Allen pour régler l'angle de la semelle. Quand on met l'aspiration, il y a un petit cache plastique qui vient se clipser sur la protection de lame. Comme ça, pour avoir une meilleure aspiration. On peut aussi adapter des petits pare-éclats plastiques qu'on vient glisser dans la lunette. On met la scie sauteuse en marche et on vient appuyer sur l'établi ou sur la surface pour verrouiller et pour couper le petit bout de pare-éclat à la taille de la lame qu'on utilise. Pour des coupes sur de l'aluminium ou sur du mélaminé ou des surfaces peintes, soit on scotche la surface, ce qui protège très bien, ou on peut utiliser un petit sabot plastique qui est livré avec et qui vient se clipser dessus. Comme ça. Elle est livrée de mémoire avec 3 lames de scie. On va faire un petit essai. Donc, protection des yeux et des oreilles. Donc contreplaqué de 15. Pas de problème. Du PA massif, c'est des tableaux. Donc après, comme toute scie sauteuse, on peut faire bien sûr des courbes, les coupes droites étant plus difficiles. Sur des faibles épaisseurs, on a une coupe qui est bien perpendiculaire quand on fait des coupes courbes. Par contre, sur des épaisseurs plus importantes, sur les épaisseurs plus importantes, il peut y avoir un défaut d'équerrage. Donc ça peut être dû à la qualité de la lame, mais je pense aussi que c'est dû au fait qu'elle soit plus compacte qu'une scie 18 ou filaire, et que le guide de lame est moins résistant que sur une plus grosse. Elle est faite pour les coupes jusqu'à les 25-30 mm. C'est déjà bien. On peut aussi couper les mélaminés. Il existe des lames à dentition inversée pour rabattre le mélaminé sur la coupe pour éviter d'avoir des éclats.
Il existe aussi des lames à double denture, donc qui va rabattre le mélaminé sur la surface inférieure et sur la surface supérieure. Comme ça, vous avez une coupe nette des deux côtés, sur des dimensions de 18 ou 19 mm classiques. Merci, au revoir.